Ah! Est-ce qu'on peut pas couper par là en vrai? Non, parce que j'ai la flemme de me retaper le. Il doit y avoir moyen. Il doit y avoir moyen. Et non, c'était juste pour une. Juste pour un objet. Bon, on va terminer l'épisode, les amis. S'il faut repasser par la grotte, on ira chercher Natu la prochaine fois. Poissirène, ça m'intéresse pas, merci. Alors. On va quand même aller récupérer l'objet et j'aimerais bien choper Natu dans cet épisode, même si j'ai plus de balles en fait. Enfin, il m'en reste du coup, puisque le jeu avait bel et bien bugué. Hein? Quoi ça? Ah oui, non, ça c'est bel et bien le. Ouais, ok. Donc on a réussi. On a réussi à repasser de l'autre côté ou pas en fait? Mon creuset. On est où dans mon creuset? Déconner. Attendez, 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 parce que. Parce que là. Attendez, attendez, attendez. Déjà, si on était tombé sur un mari, j'aurais pété un câble. Et ensuite. Alors, attendez. Parce que là, ça devient intéressant. C'est quoi cet endroit? On regardera ça. Moi, je regarderai ça en off. Parce qu'il y a l'air d'avoir une CT. d'avoir une CT, je pense, mais. Je regarderai ça en off. Par contre, c'est intriguant. J'avais pas fait gaffe à ça. Bon, on va traverser. On va aller. On va aller aux ruines d'Alpha. Enfin, aller chercher Natu. Ah, voilà. On a passé le truc. Alors, vas-y. Est, Akajou. Ok, très bien. Et par ici, on a quoi? Par là, on a rien. Donc, c'est que ça doit être par là pour Rosalia, il me semble. Et ensuite, on aura accès quasi direct aux ruines d'Alpha. Rosalia, c'est bon. On a déjà fait. J'aime bien la musique d'ailleurs, c'est vraiment, vraiment, vraiment un style ultra japonais. Il y a des nogrines de partout qu'on poussait là. Hop. Alors, route 36. Hop. Et on va pouvoir accéder aux ruines d'Alpha, mais que je sais pas où elles sont. Elles sont là, elles sont là, elles sont là, elles sont là. C'est ici. Allez, c'est parti, maintenant qu'on a surf, on a accès à toutes les ruines. Et donc aux hautes herbes, forcément. Alors déjà, il y a Éclatroc ici. Oui. Hop. Aïe, il doit y avoir un petit racaillou à tous les coups. Oui, tout à fait. Hop, c'est pas très intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les natus dans les hautes herbes. J'espère qu'ils sont pas rares, parce que sinon, je vais péter un câble aussi. Hop. Une hyper potion, ouais, ça valait vraiment le coup en vrai. Hein. Alors, attendez. On va pouvoir aller là. J'aime vraiment bien le. Mais non, en fait, ça servait à rien. Génial! Alors, attendez. Où est-ce qu'elles sont les hautes herbes? Moi, je veux les hautes herbes! Attendez. Où sont-elles? Allez savoir, on va aller là. On va chercher des hautes herbes. Non, là y a rien. Oh, sérieux, mais les gars, quoi. On peut pas passer là. On peut pas passer derrière. Non mais attendez, mais elles sont où les putains de hautes herbes? Moi je veux mon atu. Je le veux dans cet épisode. Comment on passe là d'ailleurs là? Parce que c'est totalement fermé ce truc là. Non? Me tromperais-je? Faut peut-être passer là. Ok, et là t'arrives là. Ouais mais c'est pas ce qui nous intéresse nous. It is not interesting. I want the hautes herbes. Mais merde. Mais je suis persuadé qu'il y a des hautes herbes dans ce truc là, enfin. Je les ai pas rêvés. J'ai déjà joué à la version or. Il y avait des hautes herbes. Alors la version or Red Gold, il y avoir des hautes herbes aussi. En plus ça lag un peu, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Elles sont où les putains de hautes herbes?
truc de fou. Non, attendez. C'est en train de déconner. Mais attends, il y a une grotte, je suis con, j'ai pas vu la grotte. Je suis con. Il y a une grotte et je l'ai pas vue. Attendez. Attendez, il y a une grotte et un kinésiste surtout. Attendez, on va fouiller. Au pire, je séparerai encore cet épisode en deux. Hein. Pourquoi pas après tout. C'est une formule qui marche. Attendez, mais... Sérieusement, faut résoudre tout le truc des ruines d'Alpha pour aller chercher mon putain de natu, là. Vous déconnez, les gars. Ah non, il y a des hautes herbes, ici. Je les vois. Mais comment on y va? Oh, attendez, je dois être seulement con, parce que... Je les vois, les hautes herbes, hein. Je suis pas con non plus, mais enfin... La question, c'est comment on y accède, quoi. On a vu par cette grotte, ok. Comment on accède à cette grotte? Ça, c'est une autre question. À quel point, j'ai pas la réponse. Oh, je sens que cet épisode va prendre beaucoup plus de temps qu'il n'aurait dû en prendre. Vous allez voir. Bon, là, on peut pas y accéder, on est d'accord. Là, à mon avis, ça doit être la fin. Ça s'ouvre. On avait déjà repéré ça dans un autre épisode. Comment qu'on fait? Je dois être salement con, c'est pas possible. Bon, là, y a rien, on est d'accord. Là, y a que dalle, hein. On est d'accord là-dessus, hein. Bon, on va résoudre l'énigme de ce truc-là. Je pense qu'on sépare l'épisode en deux, hein, du coup. Putain, toutes les énigmes qu'il faut que je résolve pour aller chercher un atout, quoi. Un atout! C'est pas non plus... voilà, quoi. Et Marest qui me troll parce que je pourrais prendre tout simplement un Marest comme Pokémon de type O, mais bon, c'est pas grave. Comme Pokémon de type Sol, pardon. Alors que moi, je veux Donphan. Je veux la qualité, mesdames et messieurs. Parce que Donphan, c'est quali. C'est très quali, me semble-t-il, en tout cas. Bon, bah, on va résoudre les énigmes, hein, puisque c'est ça qu'il faut faire. Ruine d'Alpha. Alors. C'est un Ptera, cette fois-ci, je me ferai pas avoir. Hop, ça va là. Ça va là. Non, ça va sur le bord, je suis con. On ne fait pas d'erreur aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ça va là. Hop. Ça doit aller là. Un truc comme ça, je pense. Ou... Ouais, là. Ça doit être à peu près comme ça, je pense. Non. Non, ça semble mal. Ne pas passer pour un con. Donc ça devait bien être comme ça. Parce que là, ça semble bien. C'est juste en haut, c'est un peu chelou. Bon, ça, c'est un coin. Ça semble pas bien du tout, ça. Donc ça va aller là. Hop, voilà, ça c'est bien. On a réussi à faire un puzzle, les enfants. C'est bon. Alors la queue, évidemment, ça va là. Après, la question, c'est plus l'assemblage du reste. Hein. Ça m'a l'air d'aller là. Non, ça va bien là, ça c'est sûr et certain. Maintenant, du coup, ça semble mal. Donc ça va là, et ça... Ça va là, et ça, il va falloir le retourner. Ok, c'est bon. On va tomber dans les ruines, ok, si tu veux. Enfin, je me souviens plus où est l'escalier, par contre. Je me souviens plus où est l'escalier, on va séparer l'épisode en deux, évidemment. Parce que là, on est en train de faire une putain d'énigme, bon. Ça pour trouver un oiseau. Donc l'escalier était bel et bien par là. Super. Alors là il y a des zarbis forcément. C'est un zarbi quoi, ça c'est un zarbi H. J'ai l'impression. Hop. Allez, on est parti. Ah oh, mais s'il te plaît quoi. Zarbi A. Bon, quoi qu'il en soit, les amis, là j'espère que vous allez bien du coup, parce que c'est un nouvel épisode, même si ça doit au moins faire 5 minutes que je suis parti pour cet épisode. Non, mais au frais quoi. Cet homme est un stalker. Je vous dis, c'est un psychopathe en fait. C'est le psychopathe du jeu. Notre cher au frais.
En fait, il y a quelqu'un là-dedans. Arthur trouve potion. C'était pas quelqu'un, mais c'était quelque chose de bien. Écoutez, ça c'était la première énigme qu'on a fait, me semble-t-il. Hein. Oui, ça c'était la première qu'on ait fait. Donc il va falloir qu'on fasse les autres. Ça c'est fermé. Ça mène nulle part, on est d'accord. Hein. Bon. On est d'accord. Ça mène nulle part non plus. Donc on a déjà résolu la partie haute. Bien. Alors maintenant, nous, ce qui nous intéresse, ça va être la partie basse. Et cette question, les amis, comment on accède au reste? Parce que je suis sûrement un peu con, enfin. Il y a forcément de ça, ça c'est dans les gènes. On peut rien y faire. Mais enfin. Là. Ça c'est ce qu'on vient de faire, on est d'accord. Ça c'est ce qu'on vient de faire. Ok. Bon. Au moins on est sûr de ce qu'on a fait. Oh, mais il n'y a pas un truc. Attendez. Il n'y a pas un truc où il faut arriver des caves jumelles. Ou je sais pas quoi. Oh lolo, il y a les chiens légendaires. Alors attendez. Donc là clairement. Entre noir, ok. Entre noir. Tourchetif là. D'où est-ce qu'ils veulent qu'on aille? Les caves jumelles? Et des caves jumelles, on peut pas arriver là en fait. On va mener l'enquête, les amis, parce que ça me paraît chelou. On ne peut pas accéder ici. Mais moi, je pense que des caves jumelles, on peut. On va voir, vous savez quoi? On va voir, mais je veux mon atout! Non, ça va être des. Je pense me souvenir que c'est des caves jumelles. Mais j'en suis pas du tout sûr. Je suis tellement pas sûr, les amis. Wow! Génial. Alors, attendez. Hop là, désolé pour ça. Alors, on va pouvoir aller aux caves jumelles, les amis. Je pense que c'est par là. Je n'ai pas vérifié. Donc, ce que je vous dis est peut-être totalement de la merde. Hein, qu'on se mette d'accord là-dessus. Non! Oh! Mais j'ai pas de quoi l'attraper, donc. Quoi qu'il arrive, ça change rien. Mais Entei! Oh, j'adore la musique, c'est un truc de fou. Je suis plus rapide que lui. Une blague? Ouais, il va fuir, évidemment. Bon. C'était beau de le trouver, hein, tout à fait par hasard, même si on avait regardé la carte juste avant. Et qui était juste à côté, mais c'était beau de le trouver. Bon. Les caves jumelles, les amis. Ah. On va y retourner. Je comptais pas y retourner si tôt, mais. Mais pourquoi pas. Petit chétiflore, tout ça. Bon. Bah, ça va être une longue route hein, pour trouver ce natou quand même. Hein. Je pensais pas que ce serait si difficile que ça. Si ça se trouve, je me fourvoie totalement en plus, donc ça me ferait un peu chier. Enfin, moi, je pense qu'il y a moyen que ce soit par là. Avant toute chose, est-ce qu'on a des repousses? On a des super repousses. Oh oui. Oh oui, les amis. Oh, ça, c'est bon, ça. Hop. Saltimbanque, tout ça. Enfin, crache-feu, pardon. Excusez-moi. Ok. Là, on va aller par là. Ça, c'est suspect, ça, par contre. Ah, on a déjà dû fouiller. Bon. Alors, Marie utilise Surf. J'adore la musique de Surf de cette version. Je
pas envie d'affronter les dresseurs tout de suite. Oh putain, pourquoi je me suis arrêté? Je me suis arrêté pile sur sa case, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ok, un combat est lancé par Montagnard machin. Ouh, niveau 23. Tranquille, pépère. Prends Emaryl. Quoique, une anti-explosion suffira. Bah non, parce que il est type roche et sol. Donc on va se faire défoncer la gueule en fait. Donc, Maryl en premier. Oh le bâtard! Oh le bâtard, mais il est bien fait. Parce que ça aurait quand même fait super mal à Typhlosion. Donc, Typhlosion a gagné tout l'XP. Hein. Écoutez, on va y aller à la bugle. Hop, Machoke est envoyé. Ok, bon, c'est pas tant à la bugle que ça. Hein. C'est bien que ce soit Machoke ou Rakeyu qui allait être envoyé. C'est un montagnard, on le rappelle. Voilà, bon. Ok, fait. Il n'y a plus à faire. On est bien là, on est bien. On est pas trop mal, on va dire. Ha ha ha, tu tiens la forme, toi. Bah oui, quand même. Hein. Pas déconner. Bon. À la recherche de Natu. Est-ce qu'on a force? On l'a pas force, hein, il me semble. Pas force, me semble-t-il. Force, si on a force. Attendez. Utiliser. On tire force, apprendre force à un Pokémon, oui. À qui on peut l'apprendre? On peut l'apprendre à Typhlosion, mais bon, pas envie. On peut l'apprendre à Maryl. Maryl connaît déjà quel est. Oui. Oubliez quelle capacité. Alors. Ça, c'est la grande question. Hein. On va oublier pistolet à eau. Oui, monsieur. Hop, tada. Maryl ne sait plus utiliser pistolet à eau, il apprend force. Ok. Grande question, c'est est-ce qu'on peut utiliser force? Oui, on peut l'utiliser. Super. Ok, c'est parti. Alors, attendez. On va remettre une repousse. C'était là-dedans. Super repousse. Utiliser. Merci. Alors. Alors les amis, on en parle ou pas? Est-ce qu'on en parle? De cette intuition. Qui est vraiment une intuition en plus. Hein. Sans mentir. Mais attends, on n'a pas intérêt à se fail. Ah, mais je suis pas arrivé au bon endroit. Ce sera de l'autre côté. C'est de l'autre côté, et moi je m'en fous des énigmes. Moi je veux juste résoudre. Enfin, je veux juste avoir mon atout en fait. Donc, vous êtes gentils. Je veux juste Natu. Natu! Je sais plus si on peut trouver directement Xatu, mais. Mais en tout cas, Xatu, Xatu. Je pense les deux en fait, mais bon. Je sais plus si on peut avoir les deux, si on peut avoir les deux dans les ruines d'Alpha, mais en tout cas, on sait où il faut aller enfin. Et l'intuition, les amis, l'intuition. Ça s'appelle cave jumelle et t'as deux entrées, donc. Oui. J'avais carrément la flemme de l'affronter. Je vous cache pas. Il reste un petit coup de surf à faire. C'est pas grave. Hop. Parfait. Enfin. Ah oui, c'est là. Fait de repousser ici, c'est pas grave, tant mieux. Allez, envoie-moi Natu, s'il te plaît. Fais pas chier. Par contre, on n'a pas de Pokéball. Vous y croyez ça? Il nous reste celle de Léviator, mais il en reste deux, quoi. Et une Hyper Ball. Ok, on va faire une save. Vous savez quoi? Parce que j'ai quand même la flemme, on va pas se le cacher. Ça fait je ne sais combien de temps qu'on recherche ce Natu. Ah non, mais d'accord, mais la view...
C'est génial quoi, ça se chie dessus à chaque fois. Ah, j'ai raté. Alors, on est parti, hein. On va pas y aller trop fort non plus parce que sinon on va le tuer. Ça va. Hop là, la petite onde folie, mais c'est pas grave. Parce que nous maintenant on va te balancer des Pokéballs, mon gars. Alors, c'est parti. Voilà. Ouais, je me doutais que ça fonctionnerait pas, mais c'est pas grave. J'ai juste envie de terminer ce Pokémon. Comme ça, on termine cet épisode, enfin ce tournage. Speedball de nouveau. Ah, parfait. La Speedball, elle marche tout le temps hein, sur les Pokémon qu'on va attraper. Le Léviathan rouge la dernière fois, Natou cette fois-ci. Et cette fois-ci, je ne me tromperai pas, j'éteindrai bien le record comme il faut. Parce que mine de rien, ça m'avait bien fait chier quand j'avais arrêté le record et que paf, Léviathan rouge. Donner un surnom à Natou capturé. Non. Non, 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 non. Il a envoyé dans la boîte 1 du PC. Bah, super, super. Et Offray qui me rappelle encore, mais... Va te faire foutre au frais. Bah du coup on va affronter la kinésiste. Hein. On va terminer l'héroïne d'Alpha. C'est bizarre ici. Comme tu dis. Comme tu dis. Alors, kinésiste Jason. Jason les amis. Alors, tac. Le girafari, on le termine avec du lave. Et on a notre cinquième Pokémon mine de rien. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. On va quand même aller chercher au PC. On va résoudre l'énigme, on va aller chercher au PC, et puis comme ça, ce sera terminé. Terminado, les amigos. Tu remportes 832 Pokédollars. Parfait. Alors, avant-dernière tablette d'héroïne d'Alpha. Ouh, il est pas facile celui-là. Ça va être OO. Vu la forme, c'est OO ça. Ok, donc ça va là. À moins qu'il faille le tourner. Ouh, ça va pas être évident, hein. Bon, ça déjà, c'est là. Ensuite. Ça, c'est un coin, donc ça va là. Ouais. Ça va là. Ouais, ça a l'air de correspondre à peu près avec là le trait et tout ça. Mais je fais gaffe à ça quand même parce que la dernière fois je me suis fait U. Ça c'est bien là, ok. Pas évident celui-là. Est-ce que celui-là il n'y aurait pas en bas? Alors attendez, parce que là je suis un peu perdu. Celui-là à mon avis est en bas, ici. Et l'autre pied, du coup, parce que ça, c'est les pieds, est ici, ok. Alors ça, forcément, irait là, du coup. Pourquoi pas. Après, il suffirait juste d'y aller à l'intuition. Ça ne va pas là. Ça, par contre... ça n'a aucun sens. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un œil? Oui, il y a un œil. Alors, l'œil, mets ta vie... qui va aller là. Voilà. Non? Sérieux? Merde, où est-ce que je me suis chié? Et pourtant, ça m'a l'air... Comme d'hab, ça m'a l'air de correspondre. Et comme d'hab, je me fais chier dessus par un jouet pour enfants. Pourtant, ça correspondait trop bien, les gars. Je suis désolé, mais... Ce serait comme ça? Peut-être ? Non. Oh là là, je me fais encore chier dessus par un puzzle, vous êtes sérieux ? Alors que là, pour le coup, ça avait l'air de correspondre. Ah, mais la dernière fois, il me semble que je m'étais fait avoir par les pieds. Attendez. Non, mais là, ce serait complètement con si les pieds étaient comme ça, non ? Non, c'est pas, ces pieds sont pas comme ça.
Ça m'avait l'air de trop bien correspondre et tout, enfin la forme. Comment ça correspondrait le mieux? Parce que ici ça correspond super bien. On se met d'accord. En revanche. Ah. En revanche. C'est là que ça correspond pas. Non, ce serait pas logique. Ce serait tellement pas logique. Putain, je suis en train de me faire chier dessus par un jouet pour enfant, quoi. Attendez. Putain, mais non, c'est pas ça. Mais non, ça correspondait beaucoup mieux de l'autre côté, en vrai. Ah, non, 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 non. On va inverser ça. Non, bah non, 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 ça vient sur le côté. Oh putain, mais je me fais chier dessus à chaque fois par truc là. Alors que pourtant, c'est rien de compliqué. Mais putain, mais. Comment je fais pour à chaque fois me faire asmat la gueule par un truc comme ça? C'est un truc de fou quand même, c'est super simple comme, comme délire. Non, ça correspond pas, il y a que ça qui correspond, je crois. Pas trop m'avancer, mais enfin, voilà, ça va là. Ok, bah, je m'étais chié depuis le début. Ça ensuite, ça va comme ça. Voilà. Ok, bah là, ça va correspondre. Ensuite, je trouve le bon après. Non, ça va aller là. Oh, putain, je suis trop con. Je rentre trop con. Bon, c'est pas grave. M'arrive à chaque fois. M'arrive vraiment à chaque fois, hein, littéralement. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. On n'y peut rien. On est con, hein. Allez, on va aller récupérer Natou. On va aller à Rosalia, je pense. Non, pas à Rosalia. La ville à côté, là. Du début. Merde, je me rappelle plus. Ça fait trop longtemps. L'excuse de merde. Bon. Voilà, en tout cas, j'espère quand même que ce doublon d'épisode, parce que du coup, j'aurais encore une fois pas dit au revoir la dernière fois. Génial, ça m'a remis sur là où il faut pas. Bon, j'espère du coup que ce doublon d'épisode vous aura plu. Pour ma part, ça aura vraiment été le cas. Ça aurait été une bonne session de tournage. Mauville, voilà, c'est ça. Avec des toits mauves, forcément. Donc ça aurait été une bonne session de tournage. Je vais quand même vérifier que... Alors, on va regarder ce badge, parce que... Pour le coup, à chaque fois, on a regardé les badges. Voilà, c'est bien ça. Il y avait bien deux badges avant. Donc là, on a fait le 7e badge, les amis, n'empêche. Hein. Et il était que niveau 30, d'ailleurs. Ouais, pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas, hein. Vraiment. Donc... On a notre cinquième Pokémon qu'on va aller récupérer tout de suite. Il nous manquera deux badges. Un badge de type roche ou combat, apparemment. Et un badge de type acier, ça je m'en rappelle par contre. À Holyville. Avec la championne dans le phare, là, je sais plus quoi. Bref. PC de Léo, on va récupérer tranquillement. Déplacer Pokémon. Faut toujours faire déplacer. Déplacer. Hop, et on va le mettre à la place de... De Misterbe, voilà. Et on a notre Natou, les amis, qui évolue niveau 25 en plus, si je me trompe pas, niveau 25 ou 30. Donc on n'est pas trop mal. On a une bonne équipe, et pour la prochaine fois, je vous assure, les amis, que je vais XP, parce que là, ça commence à devenir assez critique. Je vais faire toutes les zones qu'on n'a pas vraiment fait, etc. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode numéro 14 de la série Pokémon Or vous aura plu, puisque le 13, bah, du coup... J'aurais pas dit au revoir. Donc ces épisodes 13 et 14 de la série Pokémon Or vous auront plu. Et puis on va se dire à la prochaine pour la suite de cette série, les amis. Où nous irons affronter les champions d'Holyville et de je sais pas où. Mais on ira les affronter, vous inquiétez pas. Allez, bye tout le monde.